David Lightman was a master at computer games with an electronic twist. Are those your grades? Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you? You can go to jail for that. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow. What? We got something. He found the right code word to play the game. We're in. But it was the wrong computer. Shall we play a game? How can I ask you that? How about mobile thermonuclear war? Fine. All right. What the hell? They're trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles. What does that mean? I don't know, but it's great. All stations, this is Crystal Palace. I wonder if I should use my subs. 22 Typhoon-class submarines departing Petropavlovsk. What in the hell's happening here? Oh, my God. Shall we play? I have 7. Correction, 8. That's 8 Redbirds. Get on the sack. Tell them to flush the bombers. Russians are still denying everything, sir. Who are you working with? Nobody. I do not believe you. Qu'est-ce qu'Internet? En fait, Internet, comme toujours aux États-Unis, c'est un rêve de professeur d'université financé par l'armée. Je vais m'expliquer. D'abord, très vite, avec le développement des ordinateurs et la multiplication des ordinateurs, on se rend compte qu'on veut pouvoir accéder à ces énormes machines de très loin pour pouvoir récupérer la puissance de calcul de ces énormes serveurs. Un micro-ordinateur qui pourrait envoyer des requêtes à ces supercalculateurs et recevoir la réponse de ces supercalculateurs. Les chercheurs, l'armée, tout ce qui a besoin de calcul ou de cognition, d'automatisme dans les cognitions, va avoir besoin d'accéder à ces supercalculateurs. Alors l'idée de réseau informatique, qui n'est pas encore l'idée d'Internet, l'idée de réseau informatique, c'est au début de pouvoir permettre à un client, un ordinateur client, de poser une requête à un supercalculateur, à une superpuissance, à une grande base de données d'informations, et d'avoir la réponse dont il a besoin sur son petit ordinateur, sous son petit client, pour continuer son travail. L'idée de réseau informatique, c'est au départ cela. Avec la croissance progressive et la multiplication dans plusieurs lieux de grands ordinateurs, mais aussi la multiplication de micro-ordinateurs de plus en plus puissants, l'idée de client-serveur, c'est-à-dire d'une idée très centralisée, où un supercalculateur répond à des questions de plusieurs clients, va laisser place progressivement à l'idée de réseau. Et ça, on est propre, on est vraiment attaché à l'imaginaire de l'université. L'idée d'ordinateur pair à pair. L'idée fondamentale, c'est que les ordinateurs ne doivent pas tous discuter avec un maître, avec un serveur central, mais sont capables de discuter entre eux, de s'échanger entre eux, dans une collégialité pair à pair, dans une collégialité d'ego, sans même pouvoir anticiper les circuits de communication entre les différents éléments du réseau. Là va naître véritablement l'idée d'un réseau informatique pair à pair. C'est cette idée dans les années 60 qui va donner naissance à Internet. C'est en effet à la fois une évolution technologique, la multiplication des ordinateurs, la puissance des terminaux qui deviennent véritablement des micro-ordinateurs, mais c'est surtout un imaginaire, l'imaginaire universitaire de sachants qui sont répartis à travers le monde et qui peuvent discuter entre eux, se disputer, comme on dit dans le monde universitaire, converser entre eux pour pouvoir fabriquer ensemble, en collégialité, un savoir. Ce rêve, en réalité, va être porté par Joseph Leider. Joseph Leider, c'est un universitaire, un informaticien. Joseph Leider, va être embauché par l'ARPA. L'ARPA, c'est l'agence de défense américaine, le cœur, le cerveau de l'armée américaine, en charge de l'informatisation et de la numérisation des puissances militaires. La première chose qu'il va produire en 1963, c'est un rapport qui s'appelle l'Intergalactic Computer Network. C'est en vérité une œuvre de science-fiction, un rêve qui est une sorte de programme qu'il garde en lui depuis très longtemps et il voit avec les financements militaires la possibilité de le mettre en place. Qu'est-ce que cet Intergalactic Computer Network? C'est en effet l'idée que tous les ordinateurs seraient reliés à
tous les ordinateurs, et que nous ne serions plus dans une logique client-serveur, mais bien que tous les ordinateurs aient la possibilité d'interpeller n'importe quel ordinateur du réseau et de rentrer en communication avec lui. Cette question d'adressage va être un des enjeux majeurs de la recherche sur les réseaux informatiques. Plusieurs éléments vont permettre de développer ce réseau, notamment le développement d'un réseau physique, ARPANET, donc le réseau de l'ARPA, de la défense américaine, ARPANET, qui va être l'ancêtre de l'Internet et qui va permettre de connecter tous les laboratoires de recherche, mais aussi tous les bureaux militaires, tous les centres militaires de l'université, de l'armée américaine. Or, l'armée américaine n'est pas positionnée uniquement sur le territoire américain, elle est positionnée principalement en Europe, sur le Pacifique, en Asie. Donc il faut que cette ARPANET puisse se développer à une échelle mondiale. C'est un réseau fermé, c'est un réseau réservé à l'armée et aux universités, du moins les laboratoires autorisés à travailler sur le réseau ARPANET. Et donc dès les années 60, on a un embryon d'Internet extrêmement fermé, extrêmement réservé. Ce réseau va connaître plusieurs évolutions technologiques. D'abord, nous parlons d'une question d'adressage. Il faut être capable de s'adresser à n'importe quel ordinateur du réseau et quel que soit le chemin du réseau. Parce que le réseau peut être en panne sur certains chemins, des routes peuvent être fermées, d'autres ouvertes, d'autres momentanément fermées. Donc comment je fais pour m'assurer qu'une fois que j'ai pu trouver le réseau, l'ordinateur avec qui je peux discuter, comment je fais pour lui envoyer des informations d'une façon sûre? En fait, une invention très importante va jouer un rôle fondamental. C'est un Français, Louis Pouzin, que j'ai bien connu, qui est à l'origine de l'idée des paquets. L'idée, c'est que chaque message est découpé en plusieurs paquets et chaque paquet va chercher par lui-même le chemin le plus rapide pour arriver à l'adresse. Et en fait, c'est à l'adresse qu'on va pouvoir recomposer les paquets et retrouver le message. Évidemment, ça fait à la vitesse de la lumière, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Cette idée de paquet, cette idée de protocole, va être implémentée et développée par le fondateur de l'Internet, Vinsurf. Donc sur l'idée de Louis Pouzin, Vinsurf va développer un protocole qui s'appelle TCP/IP, qui est encore aujourd'hui utilisé sur l'Internet, qui est le protocole qui permet à chaque machine de communiquer avec n'importe quelle machine sur le réseau à partir du moment où il a son adresse IP, TCP/IP, c'est un niveau de protocole. On ne va pas rentrer dans les détails informatiques, mais il faut savoir que ce protocole-là, c'est celui qui permet de pouvoir trouver n'importe quel ordinateur sur n'importe quel ordinateur sans que des routes préétablies aient dû être mises en place entre votre ordinateur et celui avec lequel vous communiquez. Cette idée que tout ordinateur connecté au réseau peut être accessible par tous les ordinateurs, c'est ça fondamentalement Internet, c'est ça fondamentalement et technologiquement Internet. Et même philosophiquement, quand je suis sur Internet, je suis désormais accessible par tout le monde et je peux accéder à tout le monde à partir du moment où j'ai une méthode pour obtenir son adresse. Deuxième élément important, l'Ethernet, qui va être la version matérielle, la version technique de transporter l'information. Ethernet qui va jouer un rôle important aussi parce qu'il va devenir un standard. Dans les deux cas, TCP/IP et Ethernet auront une force très puissante sur ses concurrents, car il existait des techniques concurrentes, c'est qu'ils vont être des standards ouverts. Ils vont être open source. Ils vont être donnés à la communauté mondiale comme des standards ouverts. Et non seulement ils vont être donnés, mais quelqu'un qui s'appelle Dan Lynch, à partir de 1985, va commencer à créer d'énormes conférences mondiales pour inviter tous les fabricants informatiques à comprendre l'intérêt du standard ouvert. Il va falloir évangéliser, il va falloir expliquer à partir des années 80 à tous ces informaticiens, à toutes ces industries du numérique qui cherchent à développer leur ordinateur propriétaire, qu'en réalité, il y a plus de business, il y a plus de puissance, plus de richesse à s'investir dans l'open source, c'est-à-dire à tomber d'accord sur des standards ouverts, partagés par tous, utilisables par tous. C'est une idée qui est contre-intuitive pour un businessman, qui est difficile à accepter, mais qui, une fois acceptée, va véritablement faire la base de la révolution numérique. Donc, première révolution, c'est l'idée que tout le monde, toute personne connectée peut être accessible par tout le monde, et ce, grâce à des techniques, à des méthodes partagées par tous et ouvertes par tous, sans propriété intellectuelle, sans l'idée de fermeture. Cette idée va donner naissance en 1986, juste après la première conférence Inter-Op organisée par Dan Lynch à l'IETF, l'Internet Engineering Task Force,
Engineer, Internet Engineering Task Force, qui va être grosso modo le consortium ouvert de chercheurs et d'ingénieurs qui vont vouloir promouvoir ce protocole, promouvoir ces techniques et inviter l'ensemble des industries du numérique à venir se conformer à ce protocole. En 1989, Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du web, alors ne pas confondre Internet, c'est-à-dire l'ensemble du réseau informatique avec le web qui est un protocole de documents, Tim Berners-Lee va inventer le World Wide Web. Le World Wide Web, c'est une façon de produire des documents qui sont déposés sur des serveurs accessibles, lisibles par un navigateur, donc trois inventions, hein, le serveur de documents, le navigateur capable de lire à distance ce document déposé n'importe où sur le réseau, et entre les documents, évidemment, un système de liens, c'est-à-dire que chaque document peut renvoyer un autre document. Ce système de liens est une révolution, car il ne s'agit plus d'entreposer dans un lieu central un ensemble de documents hiérarchisés, mais de laisser chaque document se connecter avec n'importe quel document sur n'importe quel ordinateur. Donc cette logique, encore une fois, du réseau, de l'interconnexion, va passer de la machine au document. Le web, sa spécificité, c'est d'appliquer cette idée où tout document peut être connecté avec n'importe quel document. On retrouve cette idée du réseau, tout ordinateur peut être connecté avec n'importe quel ordinateur. Tout document peut être connecté avec n'importe quel document au gré des usages, au gré des volontés de chacun des éléments sans qu'il y ait fermeture. Si je décide que mon document est connecté à un autre document, je n'ai pas à demander l'autorisation de l'autre document. Je crée un lien entre mon document et le sien. Cette idée essentielle pour la connaissance, pour le savoir, va elle aussi être extrêmement révolutionnaire. Et on comprend qu'à partir de 1989, très vite, l'idée même d'un savoir mondialisé, interconnecté, va en emballer plus d'un et va être vraiment le moteur de la révolution du web. En 1994, Al Gore, qui est à l'époque vice-président des États-Unis sous l'administration Clinton, invite la communauté mondiale à se connecter à ARPANET. Il existe à l'époque deux réseaux américains très importants, ARPANET et NSFNET, qui est le réseau des universités qui ne sont pas rattachées à l'armée. Les laboratoires rattachés à l'armée sont sur ARPANET, mais tous les autres laboratoires ont produit, grâce à la NSF, qui est l'équivalent de l'ANR en France, l'Agence Nationale de la Recherche, un énorme réseau propre aux universités et qui permet désormais à chaque professeur d'avoir sa boîte email, d'avoir un espace de stockage, de se partager, de s'envoyer des fichiers. Ben, le NSFNet et l'ARPANET vont être rendus publics, vont être les premières backbones, c'est-à-dire les premières architectures centrales de l'Internet. Très rapidement, c'est une révolution. Dès 1995, la plupart des pays se lancent dans la course Internet, c'est-à-dire au développement d'infrastructures numériques reliées au backbone principal. Et dès 1995, on peut accéder à Internet, et la France, par exemple, se dote des tout premiers fournisseurs d'accès à Internet, FranceNet. J'ai pour ma part été connecté en décembre 1995 à Internet, depuis chez moi, avec, à Paris, un petit modem 14400, si mes souvenirs sont bons, où on voyait apparaître pour la première fois la page de bibliothèque américaine, et on pouvait accéder même à quelques moteurs de recherche qui nous permettaient de faire des bibliographies pendant nos études. À partir de 1995, évidemment, il y a une révolution qui est trop longue et trop complexe à expliquer, mais qui peut être résumée en un seul mot: tout doit passer par le web. La vidéo va rentrer dans les images, la vidéo, le son, l'ensemble des éléments vont rentrer par le web, ou si ce n'est pas par le web, par Internet, c'est-à-dire par le réseau informatique numérique créé pour l'occasion à travers le protocole TCP/IP. La masse de documents et la masse d'ordinateurs ne va cesser de se multiplier, hein, on est toujours dans une évolution exponentielle. On va passer à un nouveau protocole qui s'appelle IPv6, qui permet justement un nombre d'adresses immense sur le réseau, parce qu'on va bientôt accueillir en effet tous les objets connectés, hein, les voitures connectées, les machines à laver connectées, les fenêtres connectées, les maisons connectées, c'est-à-dire
au fur et à mesure de la micro-informatique et de l'intégration de l'informatique à l'intérieur des objets, eh ben on va interconnecter ces objets. Désormais, ce ne sont plus que des ordinateurs qui ne sont connectés, ce ne sont plus que des humains qui sont connectés, mais ce sont des machines qui sont connectées, ce sont des objets qui sont connectés entre eux. Ils n'ont pas besoin de passer par la communication avec l'être humain, par l'interface homme-machine. De plus en plus d'objets communiquent entre eux, s'échangent entre eux, et se donnent des informations et prennent des décisions entre eux. Et nous allons rentrer dans l'Internet des objets, dans l'interconnexion généralisée de l'ensemble des éléments. Et ça, c'est l'évolution dans les 20 prochaines années d'énormes réseaux numériques qui est devenu Internet. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist. At 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Sing on the floor. It can't overflow! Open the door! Wrong open voice the door! Error. Hey, you there? Would it rock? Open the door. Open the door.